pyjamas, pyjamas, celui des pyjamas. Yo-Yo revoit sa copie. Il est temps de m'entraîner à viser avec mon multiplicateur. Roméo a une machine à faire des clowns. Je vais me servir de mon glu-glu reptile au camouflage pour m'approcher et le récupérer. Ouais, ensuite tu me lances, je le passe à Yo-Yo et... Oh, j'ai une meilleure idée, je vais directement le récupérer. Yo-Yo, rapido! Quoi? T'amuses bien là-haut, sa capuche. Laisse-le descendre, robot. Glu-glu, méga muse. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. C'est le cas de le dire. Hein? Faut travailler en équipe cette fois. Je sors d'abord Glu-glu de là et après... Attends, ça ira plus vite avec mon yo-yo acrobatant. Glu-glu reptile au camouflage. Cette invention au QG. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les problèmes. Ce n'est pas aussi facile que ça de se débarrasser de mon multiplicateur, pas vrai, mon ami métallique? Les pyjamas qui ont réglé les tracas! Encore une fois! On a failli ne pas y arriver. Oui, l'un d'entre nous n'en faisait qu'à sa tête. Je suis désolée, je voulais juste qu'on gagne. Et on a gagné, non? Bon, vous voulez jouer à quoi? Au basket? Au volley? Et si on jouait plutôt au foot? Oh, serpent rebond! Vous avez vu ça? C'est sûrement Roméo qui a fait des copies. Comment il a fait? Son invention est au QG. On va trouver. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Ensuite, je te la passe, Yo-Yo. Tu la donnes à Glu-Glu et j'enlève la batterie et je le désactive. Tout ça grâce à mes Glu-Glu méga muscles. Le rugissement, ça fait tellement de bruit que ça détraque les appareils. Mais... Je trouve que ça manque encore un peu de robot. Jamais 304. Super rugissement. Je n'arrive pas à arrêter les boules de poils. Ah oh.
oreilles de chat. Yo-Yo, tu as été multiplié. Je sais, oui, je sais. Pourquoi il n'est pas exactement pareil que toi? Peut-être que le multiplicateur fonctionne différemment sur nous à cause de nos pouvoirs. Les robots, regardez. Récupérez mon invention, les robots. C'est vous que je veux multiplier, pas ces Pyjaminus. Lance-moi le multiplicateur, Yo-Yo, je me charge de l'éteindre. Je peux pas, il y a trop de robots. Mais peut-être que s'il y avait plus de pyjamasques... Ouais, ouais. Mille reptiles. Maintenant, ils sont quatre. Suivez-moi, les Yo-Yo. J'ai un plan pour m'en débarrasser. On va leur faire tourner la tête à ces robots. Vite. On dirait bien que tes clones ont leur propre idée en tête. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais. Faites-les tourner. J'ai une meilleure idée. Je le fais plutôt rouler jusqu'à ce qu'il ait le tournis. Je fais le tour de la ville avec le mien jusqu'à ce qu'il soit perdu. Et moi, je vais continuer à courir dessus. C'est super bon pour la forme. Bye. J'ai un nouveau plan. Et avec tous ces yo-yo, ça va marcher. On va utiliser ces rondins pour enfermer Roméo. Et on fait comment pour récupérer son invention? Je vous expliquerai plus tard. Vite! Masque, ils sont juste derrière ces arbres. Relâchez les yo-yo et allez les attraper. N'y allez pas, bande de feux ferrailles! J'arrive! C'est un piège! Ok, les yo-yo, cette fois vos pièges en rondins vont nous servir. Salut! Aïe! Aïe! Oui, aïe! Oui. Ouais, ouais, ouais! Voilà les autres! Tous en place! Ici, les robots! Qu'est-ce que vous mijotez, les Pyjaminus? Aïe! Aïe! Robot détesté! Il n'en reste plus qu'un! Yo-Yo Rapido! Attrape ces agapus, robot!
Glu-Glu méga muscle. Mais si j'enlève la batterie de l'appareil, vous allez disparaître. Non, on ne va pas disparaître. On ne sera qu'un seul yo-yo, comme avant. Ça, c'est une équipe. Vas-y, Glu-Glu. Glu-Glu méga muscle. Ranger ce multiplicateur avec l'autre. Pyjamasque, on crie Hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Tout est redevenu comme avant. Toi aussi, t'es redevenu comme avant, Sacha. Oui, c'est vrai. Bon, à quoi est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? Et si on joue au basket? Le foot! J'adore le foot! On n'a qu'à jouer à ça. Et pourquoi vous décidez pas, vous? Maxi Glu-Glu. Greg, tu me reçois? Ici Sacha, terminé. Oh, où est-ce qu'il est passé ce talkie-walkie? Ah, beurre dégueu. Greg, tu me reçois? Oh, voilà où tu étais. Merci Lionel. Salut Sacha. Oh, attends, je voulais dire, je te reçois Sacha, terminé. Salut Greg, qu'est-ce que tu fais? Je range ma chambre. C'est un peu le bazar ici et ma maman me laissera pas aller au carnaval demain si je range pas toutes mes affaires. La parade va être géniale. Je parie que t'es impatient de voir le char en forme de lézard. Tu penses? C'est celui que je préfère. Dépêche-toi de ranger alors. On va aller au QG avec Amaya. Au cas où des méchants auraient l'intention de gâcher la fête. Quoi? Vous allez au QG sans moi? Hors de question. Mais et ta chambre alors? T'inquiète pas, j'aurai le temps de faire le ménage plus tard. Et je veux passer prendre mon caméscope pour le carnaval. Je pense qu'il est resté au QG. J'arrive pas à le trouver ici. Ok, pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... devient... Sacha devient... Yo-Yo! Les pyjamas pagaille! Glu-Glu, c'est autant le bazar ici que dans ta chambre. Tu avais dit que tu rangerais. C'est vrai, j'allais justement le faire plus tard. C'est le pulvérisateur du puanteur de Roméo. Et là, c'est son canon rétrécisseur. Tu devais trouver un endroit où les ranger en lieu sûr. Oui, je sais, mais... C'est pas grave, on va vérifier que personne n'a l'intention de gâcher le carnaval pendant que tu ranges. Et ne joue pas avec les gadgets de Roméo. D'accord. Oh, on pourra pas dire que c'est pour jouer si j'utilise le canon rétrécisseur pour ranger. Je suis Roméo et dès que j'aurai rangé ma chambre, je pourrai enfin contrôler le monde. Je me demande à quoi sert ce bouton. Aïe. Hein? Serpent rampant. Maintenant c'est un super agrandisseur. C'est génial. Salut les copains. Oh oh, Glu-Glu, qui t'a fait ça? Je crois que je me suis auto-agrandie avec le canon rétrécisseur de Roméo en mode inverse. Et maintenant, je suis géant. T'en fais pas, on va te rendre ta taille normale. Non, je trouve ça trop cool. Maintenant, je suis Maxi Glu-Glu. Et j'arrêterai quiconque essaye de ruiner la parade. Je suis le plus grand. Oh oh, justement, je crois qu'on a un méchant sur les rangs. Sorceline, au chabolide. Un petit pas pour Glu-Glu, un bond de géant pour Maxi Glu-Glu, le malabar des lézards. Oh! Cette parade sera la mienne, les papinuits. On va voler tous les chars et faire de moi la reine du défilé. Maintenant, applaudissez, mon petit peuple adoré. Wow! Nom d'un hibou déplumé, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorceline. Ouais! Hein? Oh! 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 Oh!
zéro. Ah, c'est quoi ce truc? Je suis Maxi Gluglu et je suis là pour t'empêcher de voler le char de la parade, surtout celui en forme de lézard. C'est mon préféré. Hors de question. Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare. Attrapez-les, les papilles nuits. Vous êtes vraiment des bons à rien, les papilles nuisances. Aérolune! Prenez les autres chars et suivez-moi. Allez, soulevez-les. Vous n'êtes pas des papillons, vous êtes des larmes. On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer. Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Attends, moi aussi j'en ai un. Et le mien est géant. Gluglu, qu'est-ce que tu fais? Je vais agrandir cette veine. Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour enfermer Sorceline et ses papis nuits. Wow. Hein? Quoi? Oh non! Ok, oui. Dépêche, Gluglu, rétrécis-le. T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard. Il faut juste que j'agrandisse assez la benne pour le contenir. Attention! Hein? Alors comme ça, le Maxi Lézard a fait une Maxi bêtise? Mais j'y pense, j'ai pas besoin d'aérolune alors que j'ai déjà un papini géant. Ya! Ce canon agrandisseur est à moi. Rien qu'à moi. Et je vais pouvoir emporter tous ces chars. Quelques papini géants de plus et le tour est joué. J'oublie un dernier détail. Allez, salut Maxi Gluglu. Et voilà, t'es redevenu le tout petit étard que t'as toujours été. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Reprendre le canon agrandisseur que je redevienne géant. Non, Gluglu, il faut d'abord qu'on répare la grosse bourde que tu as faite avec les papis nuits. Bon, d'accord. J'ai une idée. Bibou, si tu réussis à attirer les papis nuits, on pourra récupérer le canon agrandisseur. Ensuite, tu voleras au-dessus de Gluglu pour qu'il les rétrécisse. C'est bien, mes maxi papis nuits. Beau travail. Hé, les papis nuits! Je parie que vous ne m'attraperez pas! Quoi? Non, revenez! Yo-yo, rapido! Sympa de me le rendre, merci! Rappelle-toi, Gluglu, quand Bibou passera au-dessus de toi avec les papis nuits, toi, tu les rétrécis. Bien reçu, Yo-yo! Génial! Je vais surveiller Sorceline. Wow! Oh! Hé, hey, je viens de penser à un moyen de rendre le plan de Yo-Yo encore plus efficace. Hein? Et... ah! Non, pas encore. Voilà. Désolée d'avoir passé mon temps à mettre du désordre au lieu de mettre de l'ordre. Hein? Attendez, c'est l'heure d'être un vrai héros. Fais attention, Gluglu. Si tu continues comme ça, tu vas l'énerver. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Allez, le Zozio, suis-moi. Ouais. Yo-Yo, il faut qu'on rattrape Sorceline. Bien joué. J'aurais dû penser à ranger toutes ces canettes aussi. Gluglu, méga bus! Oh, t'as cru que je voulais jouer avec toi? T'es un gentil piou-piou. Yo-Yo et Bibou ont besoin de mon aide. Et je crois que tu viens de me donner une idée. Yo-yo!
vole pas tous les chars. Je peux au moins prendre celui que tu préfères, cuisse de grenouille. Aéroline! Tu n'iras pas bien loin avec ça, Sorceline. Si tu crois que deux canettes vont m'arrêter, j'ai dû rétrécir ton cerveau avec le reste tout à l'heure. Hein? Hein? Arrête de me courir après, espèce de dindon dégénéré. Beau travail, Gluglu. Mais comment on va faire pour que cet oiseau géant revienne? Hein? Ok, on ne touche plus au canon agrandisseur. Il est temps de le rapporter au QG et de balayer toutes mes bêtises du passé. Pyjamasque, on crie Hourra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Chambre est au top comme ça, Greg. Ça m'a pris une éternité, mais maintenant tout est bien rangé à sa place et je suis prêt pour le carnaval. Oh oh. Hein? Baissez-vous. Oh, oh, au moins Lionel a retrouvé mon caméscope. Tout se passe exactement comme prévu. Halloween, c'est bien notre fête à nous, les méchants. Alors c'est à nous de jouer. Au secours des voleurs! Par ici, les sacs de bonbons. On prend tout et on file. Par mes moustaches, tous les méchants font équipe ensemble. Oh non, c'est un triple cauchemar. Pyjarobo, c'est Bibou. Tu peux nous aider? Excellente idée. Il a un plan pour piéger les papis nuits. C'est ce que j'appelle une idée lumineuse. Hein? Mais ils ne veulent toujours pas nous lâcher. Je sais ce qu'on peut faire. À mon signal, 1, 2, 3, dili dili. Bien joué, Bibou. Toi aussi, bien joué, Pyjarobo. Trois enfants déguisés en chiens qui nous ont volé tous nos bonbons. Ils ont gâché la fête d'Halloween. Ne craignez rien, Capitaine Cameron est là. Ni les toiles d'araignée ni les fantômes ne peuvent m'arrêter. Alors je peux aussi ramener tous les sacs de bonbons. Capitaine Cameron. Halloween. Mais c'est nous qui avons tout fait, c'est pas lui. Il s'imagine être un héros, c'est tout. Écoute, il n'y aura pas de héros du tout si on ne s'occupe pas des méchants. Pensons à notre mission. Oreilles de chat. Les farfelous, ils sont quelque part dans le parc. Venez. Vous sentez les super pouvoirs de la farfelune d'Halloween? Yep, yep. Il faut qu'on trouve un endroit pour cacher les sacs de bonbons. Hop. Non, c'est plus la peine. Je les ai déjà déposés dans une cachette top secrète. Super. Où est cette cachette? Bah, c'est une cachette tellement secrète que j'ai oublié où elle était. Oh, Tilou, fais un effort. Pas besoin. J'ai inventé une poésie pour m'en souvenir. Maintenant, il faut juste que je me rappelle la poésie. Halloween rime avec racine et donc les bonbons d'Halloween doivent être... Au pied d'un arbre. On trouvera quel arbre grâce à notre flair. Loon, Scarlou. Tu as retrouvé la cachette? Encore mieux. Un os. Oh. Et ils se prennent pour des super farfelous. Moi je savais qu'on pouvait pas leur faire confiance. Regardez, la piste des farfelous continue par là. Les pyjamasques? Je croyais m'être débarrassée d'eux. Ben c'est raté, et mon plan génial va rater aussi. Mais non, tout n'est pas perdu. Il nous faut juste un plan d'attaque. Je sais quoi faire. On va se servir d'eux. Quand ils auront retrouvé les bonbons, on les prendra. Alors, tu vois que c'est pas si compliqué. Hé, les farfelous, vous cherchez quelque chose? Non. Vous savez, si vous ne nous dites pas où vous
avez caché les sacs, il n'y aura de friandises pour personne. Moi, ce que je préfère manger, ce sont les hot dogs. La poésie! Friandises d'Halloween, délicieux bonbons, je vous ai caché avec mes hot dogs. Mais il n'y a même pas de rime. Et où est-ce que tu caches tes hot dogs, Tilou? Dans la petite cabane. Qui attrapera le nanas? Il faut qu'on arrive à la cabane avant eux. Yo-yo, rapido! Waouh! Tous les sacs de friandises sont là. Ouais, mmh. Génial. Je vous prends la main dans le sac. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Par tous les anneaux de Saturne, lâchez ces friandises ou vous aurez affaire à la justice intergalactique. On avait bien l'intention de les rendre, mais fais-le toi si tu veux. Vous vous faites passer pour des héros, mais sous le costume, vous n'êtes que des voleurs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous, on est les pigeons. Tais-toi, Gluglu, ça doit rester secret. Mais d'abord, il croit qu'il sauve tout le monde alors que c'était nous. Et maintenant, il nous prend pour les voleurs de friandises. C'est vraiment pas juste. Ah, tous ces bonbons, mais il y en a des centaines. Et si finalement, je les gardais tous pour moi? Bien sûr. Non, d'une petite plume. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas lui montrer qu'on a des pouvoirs. On reste où on est et on intervient à mon signal. Où est-ce que tu comptes aller comme ça? Avec nos sacs de bonbons? Ils sont déguisés, c'est tout. Je peux leur résister. Je suis le capitaine Cameron. Au lieu de marmonner, donne-nous les friandises. Ouh-ya! Reculez tous. Ne m'obligez pas à utiliser mon moulinet spatial contre vous. Attends, toi tu as des pouvoirs spéciaux? Exact, je suis le capitaine Cameron, un héros interplanétaire venu d'une autre galaxie. Pas d'autographe, je suis en mission. Waouh, et est-ce que tu es déjà allé sur la Lune? Pas encore, j'ai été très occupée. D'ailleurs, excusez-moi, mais je dois filer à la vitesse de l'éclair. Il n'a pas de pouvoir. Ramassez les friandises. Allez-vous-en. Tourbillon intergalactique à la rescousse. Allons-y. Je n'enlèverai plus ce déguisement de toute ma vie. Vite, allons-nous-en d'ici. Fuyons à toute patte, sinon il va nous envoyer dans l'espace. C'est l'heure d'être un vrai héros, pas comme lui. Qu'est-ce que vous attendez, les ninjanouilles? Le soir de Noël? Rattrapons-les. Quoi? Mais qu'est-ce qu'à vous? Mission accomplie. Mes super-pouvoirs les ont fait dégarpir. Avec tous les sacs de friandises. Non. On va par où maintenant? Hibou Vision. Ils se rejoignent tous dans les égouts. Dans les égouts? Allez, viens, on va s'inviter à leur fête. Vous n'avez pas trouvé pire comme cachette secrète? C'est tout mouillé ici. Et il fait noir. Ça me donne la chair de poule. Qui a dit ça? C'est juste l'écho. Nos pouvoirs d'Halloween commencent à faiblir vu qu'on n'a plus la lumière de la farfelune. Je l'ai inventé, cette histoire de farfelune. Vous croyez vraiment tout ce qu'on vous raconte? Tu veux dire qu'on ne va pas devenir tout garou? Arrêtez de pleurnicher. On est ici pour fêter la plus belle soirée d'Halloween de notre vie. C'est le moment de nous partager toutes ces friandises. C'est incroyable qu'ils aient réussi leur coup. Et on ne peut rien faire. Ils sont trop nombreux. On s'est débarrassé des piges à gaspiller. Maintenant, ils doivent être en train de tourner en rond. Tout ça grâce à moi et à mon plan de génie. Ton plan? Non, mais tu plaisantes. C'était mon idée à moi. Attendez, et nous alors? Avec ma super poésie sur les hot dogs, friandises d'Halloween, délicieux bonbons. Elle rime pas ta poésie. Ça alors? Voilà qu'ils commencent à se disputer pour savoir qui est le plus fort. C'est vraiment pas mal, hein? Non, c'est un peu ce que j'ai fait moi aussi.
je cherchais plus à être reconnu comme le héros qu'à essayer de sauver Halloween. Mais on pourrait se servir de ça pour les battre. Ensemble, les méchants sont plus forts que nous, mais il suffirait de pas grand-chose pour les séparer. Attends, je sais ce qu'on pourrait faire. Voilà, 10 pour moi et 2 pour chacune des autres équipes. Tout le monde va y trouver son compte. Où t'as appris à compter? On va se régaler. Mia, c'est pas équitable, c'est pas juste. Les copains, il y a un fantôme. Mais les fantômes n'existent pas, voyons. C'est Sorceline. Elle essaie encore de nous jouer un tour pour prendre toutes les friandises. Même pas vrai. En même temps, c'est normal que j'en ai plus. C'est moi qui ai tout fait. N'importe quoi. Si on a tous ces bonbons, c'est grâce à moi. Je mérite d'en avoir plus que les autres. C'est nous qui les avons volés et cachés. On veut la plus grosse part. Vous. Finalement, vous en aurez 0. Parce qu'on va tous les rendre aux autres enfants. C'est le lézard gluant. Attrapez-le. Pour ça, il faudra m'attraper d'abord. Yo-yo, Lidogo. Eh oh, quoi? Yo-yo, Rapido. Ça en fait plus pour moi. Merci. Glu-glu, boucli, écaille. Oh, c'est le moment de récupérer tous les sacs pour nous. Bibou, mi-bim. C'est vraiment pas chouette de gâcher notre fête. Ce qui est chouette, c'est partager. Du coup, je vous donne mon sac. Joyeux Halloween. Oh. Il est bon pour moi. J'ai des bottes. Oh, je crois qu'ils ne changeront jamais. Le garçon de l'espace. Il est venu pour nous arrêter. Je suis le capitaine Cameron. Je vous ordonne de vous rendre. Et surtout de rendre les bonbons. Maintenant, on ferait bien de suivre les ordres du capitaine. Je vous ai dit de sortir de là. Waouh, c'était trop fastoche. Vous auriez dû voir ça, je les ai tous fait fuir. Vous auriez été bien embêtés sans héros pour vous protéger. Capitaine Cameron. Vive le capitaine Cameron. Heureusement qu'il y avait un héros. Ou plutôt 3. Alors, ça ne te dérange plus que les autres le prennent pour leur sauveur? Non, parce que quand c'est l'heure d'être un héros, ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour aider les autres. Et maintenant, c'est l'heure de se régaler. Pyjamasque, on crie youpi. Cette nuit, on a sauvé Halloween. Le ninja géant. Regardez, la porte de la réserve est ouverte. Youhou! Y a quelqu'un là-dedans? Oh non! Il manque du matériel! Les cordes ont disparu! Et les lanternes aussi! Comment ça se fait? Je crois que c'est Ninjaka qui a volé tout ça pour aller explorer la montagne mystérieuse. C'est possible? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh! J'ai trouvé ça par terre! La liste de Ninjaka pour la montagne mystérieuse. Cordes, ok. Lanternes, ok. Parchemin, ok. Dans ce cas, les amis, il faut qu'on aille le surveiller. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Glu-glu. Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Salut mon pote. Hello, pyjarobo. Salut, pyjarobo. Alors, quoi de neuf? Plus vite, petit ninja! On n'a pas toute la nuit! À tes souhaits! Et maintenant, remue-toi! Ça ne me dit rien qui vaille! Allez, venez! On va prendre nos pyjamotos! Thank you.
Comment vas-tu, petit arbre? Oh. Qu'est-ce que tu veux me dire? Des intrus sur la montagne? D'accord, allons jeter un œil. Je n'ai pas eu peur. Pas du tout. J'ai fait ça pour tester vos ninja réflexes. Oh! Tu es vraiment sûr que c'est dans cette caverne que se trouve la source des étoiles collantes? J'ai une idée. Je reste ici pour monter la garde pendant que toi, tu vas explorer. À tout à l'heure. Oh non, c'est cette enquiquineuse de flammes rouges. Et je ne suis pas d'humeur à la remettre à sa place. Il faut qu'on se cache, et vite. Ouf, on l'a échappé belle. C'est parti. Explorons cette caverne obscure et très légèrement effrayante. Aucun signe de Ninjaka. Oreille de chat. Ils sont là-bas. Tu as trouvé la source des étoiles collantes, dit Ninja. C'est bon, j'en ai vu assez. On fait demi-tour, Ninja Zouave. Plus. Elles reviennent! Cachez-vous! Pauvre petit ninja! Le monstre aux étoiles collantes l'a sûrement attrapé! Oh, il va vraiment me manquer, ce petit bonhomme! Hein? Petit ninja, tu es sain et sauf! Une seconde! Le monstre géant, où est-il passé? Ça veut dire qu'il est toujours dans la caverne? Oh! Halte là! Qu'est-ce que tu fais ici, Ninjaka? Je ne rêve pas, c'est la bande des Pyjaminus! Eh bien, je suis venue ici pour faire un parcours de santé au fond d'une caverne. Et avec un ancien parchemin? Ouais, moi je n'y crois pas trop. Tu ne vois pas que
suis occupée, Teen Ninja. On cherche un truc, c'est tout. Lâche-moi, je te dis que je suis occupée. Oh non, je n'entrerai pas là-dedans si j'étais vous. S'il ne veut pas qu'on y aille, c'est qu'il a découvert quelque chose. Pas du tout. Si je dis ça, c'est pour vous, crâne de piaf. Il y a un monstre dans cette caverne. Mais bien sûr, t'as rien trouvé de mieux comme mensonge. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller voir vous-même. C'est ce qu'on va faire. Et comment? Je suis sûre que là-dedans, il y a quelque chose qui ne veut pas qu'on trouve. Tu as laissé le parchemin à l'intérieur. Oh. Il ne faut pas que les pyjamas le récupèrent. Et en même temps, je ne peux pas te laisser y retourner. Teen Ninja! Tu es sûr et certain qu'il n'y a pas de monstre ici? Hein, Yo-Yo? T'inquiète, il a inventé cette histoire pour nous faire peur, c'est tout. Je vais vérifier. Hibou Vision! Non, je ne vois rien d'anormal. Oreille de chat! Je n'entends rien d'anormal non plus. Hein? On ne se fera pas avoir. Suivez-moi! Stop! C'était quoi ce bruit? Oh! 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 Teen Ninja? Ne me dis pas que c'était toi! Quoi? Non! C'est pas possible que tu sois le monstre! Qu'est-ce que c'est que cette créature? Tu es toujours aussi sûr qu'il n'y avait pas de monstre? Ce dont moi je suis sûr, c'est qu'on doit se méfier. Si c'est vraiment Teen Ninja, ça veut dire qu'il a découvert la source des étoiles collantes. Mais quelle excellente nouvelle! Hé, toi là-haut, ninjéant, je t'ordonne d'attaquer immédiatement les pyjamasques. Attention, droit devant. Il a fait ce que je lui ai dit. J'ai un ninjéant qui m'obéit au doigt et à l'œil. C'est le plus grand triomphe de ma vie. Que d'habitude, ces étoiles collantes? Non, on dirait que ce monstre les contrôle. Le moment que j'attendais, j'ai enfin vaincu les pyjamasques. C'est moi qui vais régner sur la ville. Avec un petit coup de main de mon ninjéant. Venez, Ninja Soif, la ville est à nous. On va bien s'amuser. Voilà, c'est bien. Suis-moi, ninjéant. Avance encore, avance encore. Cette matière est super collante. Il faut qu'on réussisse à se détacher. Tu as raison, on ne peut pas laisser Ninjaka emmener son monstre en ville. Les pyjamasques et le super cristal. Je m'appelle Pyja Robot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il veut dire qu'il te trouve cool. Oh, lui aussi je le trouve cool. C'est le quatrième pyjamasque. C'est super qu'il soit avec nous. Mais il va s'occuper de quoi exactement? Il est doué en mécanique. Et puis forcément, c'est lui le meilleur pour faire la danse du robot. Des étoiles collantes. Ninjaka, c'est mauvais signe. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis ont le règne de la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Sacha devient... Yo-Yo!
Bravo. Trop bien ta toupie. Oh, tu peux pas conduire le chat bolide parce que c'est ma voiture. On dirait qu'il a envie de faire joujou avec le pyjama scanner. C'est pas grave, tu finiras par y arriver. Cool, Caméléon! Tu as changé ma montre en vidéoprojecteur! Mais notre radio marche déjà bien. 5 sur 5, je confirme. Mais c'était une bonne idée. Continue comme ça. Regardez! C'est Ninjaka! Qu'est-ce qu'il fabrique encore? On va vite le savoir. Tout ce chat bolide! Pyjarobot? Tant pis, on va prendre l'astro-hibou! Je ne vois pas les ninjas zouaves. Pyjarobot, tu nous entends? Magique nous fait peur. Tu te mets le doigt dans l'œil, Ninjaka. Yo yo, rapido! À vous de jouer. Glu glu monte collante. Hein? C'est quoi ça? Pyjarobot. Rappelle-toi, à chaque fois qu'il a fait quelque chose, c'était pour nous venir en aide. Ah bon, tu crois? Ah!
a toujours voulu nous aider en essayant de conduire le chat-bolide ou... En voulant améliorer mon talkie-walkie. Mais le reptile, dommage que ça ait mal tourné. C'est nous qui aurions dû l'aider. Il voulait juste être un héros, comme nous. Oh, le pauvre, c'est pas sa faute. Non, nous aussi on fait des erreurs. Il a dépensé toute son énergie pour ouvrir la porte. Il a fait tout son possible pour pouvoir nous sauver, comme l'aurait fait un vrai pyjamasque. Pyjarobot. Par mes oreilles de chat, c'est quoi ça? C'est le cristal que j'ai vu tout à l'heure. Ok, t'en fais pas. Je m'en occupe. Attention, on ne sait pas ce que c'est, mais ça doit avoir un rapport avec nos pouvoirs. C'est beaucoup trop lourd. J'ai besoin de votre aide. On va y arriver, on est toujours les pyjamasques. Allons-y. Je sens un truc bizarre, ça me fait des fourmis dans les bras. Moi c'est pareil, plus je force et plus ça me le fait. Courage les copains. Magique ou quoi? Je me sens, comment dire, super puissant. Moi aussi. Eh, hey, bravo, Pyjarobot. Tu as fait tes preuves aujourd'hui. Pyjamasque, et si on allait montrer à Ninjaka qu'on est plus fort que lui? Un nouveau pouvoir, le yo-yo Nekoto. Grâce à qui? À Pyjarobot. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre, les Pyjaminus.